Oui, c'est toujours moi. Bonsoir, bienvenue ce soir à notre émission spéciale sur le secret de la situation en politique. Tout d'abord, une petite introduction pour remettre les choses en place. Carte, s'il vous plaît. Ah, voilà, avancez, on va vous dire. Bonsoir. Donc, les Ouménés de Bonada ont pour désagréables voisins les Nippos de Pomédée. Les Nibonis de Bonari s'entendent soit avec les Nippos de Pomédée, soit avec les Rijabons de Carabule pour amorcer une menace contre les Ouménés de Bonada, après naturellement s'être alliés aux Bitules de Rotrarque, ou après avoir, momentanément, par engagement secret, neutraliser les rigeobettes de Billiguette qui sont situées sur le flanc des colvites de Belay qui couvrent le pays des Ouménés de Bonada et la partie nord-ouest du Turitaire des Nippos de Pomédée au-delà des Prochus d'Osteboul. La situation, naturellement, ne se présente pas toujours d'une manière aussi simple. 4. Les Ouménés de Bonada sont traversés eux-mêmes par quatre courants. Ceux des Dohomédés de Bonada, des Odobomédés de Bonada, des Orodomédés de Bonada, et enfin, des Dovobodémonédés de Bonada. Ces courants d'opinion ne sont pas en fait des bases, ils se contrecarrent et se subdivisent comme on pense bien, suivant les circonstances. Si bien que l'opinion des Dovobodémonédés de Bonada n'est qu'une opinion moyenne. Et l'on ne trouverait pas dit Dovobodémonédés de Bonada qui la partage. Et peut-être pas trois. Quoique, ils acceptent de s'y tenir, pour quelques instants, pour la facilité. Non, certes du gouvernement, mais du recensement des opinions. Qui se fait trois fois par jour. Quoique selon certains, ce soit trop peu. Même pour une simple indication. Tandis que selon d'autres, peut-être utopistes, le recensement de l'opinion du matin et de celle du soir serait pratiquement suffisant. Vous me direz, il y a aussi des opinions franchement d'opposition, en dehors des odobométés. Ce sont celles des Rodobos, des Beaumédés, avec lesquels aucun accord n'a jamais pu se faire. Sauf peut-être, naturellement, sur le droit à la discussion, dont ils usent plus abondamment que n'importe quelle autre faction des Ouménés de Bonada, dont ils usent intarissablement. Donc voilà, ce sera tout pour cette introduction. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Merci bien.